Je commence ce vlog en vous montrant la petite coupelle que j'ai achetée chez Jiffy. Ça rend bien hein, pour mettre le petit déj, fromage blanc et le reste. Salut! On est samedi 25 mai, habituellement je vlog pas le samedi, mais là j'ai Marie-Jo qui m'a proposé il y a 2 jours d'aller avec elle chez Ikea à Orléans. Et bah, je trouvais que c'était sympa, surtout que j'ai dû y aller qu'une ou deux fois dans ma vie chez Ikea et je cherche quand même un plateau circulaire, bref, mais c'est surtout pour passer du temps avec elle, ça va être très sympa. Avant, je voulais vous montrer quelque chose. Comme demain, c'est la fête des mères, et au moment où sera sortie cette vidéo, ça sera déjà passé. J'ai pris pour ma maman ses assiettes. C'est vrai qu'elle les avait repérées. On en a 6 de chaque. Je pense que ça va lui plaire. Le problème, c'est que j'avais pas grand-chose pour les protéger. Parce que je les ai achetés donc à Leclerc il y a 2-3 jours et la personne qui était au service vaisselle n'avait pas les. Je lui avais demandé des protections pour mettre des cartons, tout ça pour lui offrir. Elle m'a dit de repasser samedi matin. Donc maintenant, mais il faut que je me dépêche parce qu'il est déjà 11h15 et Marie-Jo vient me chercher à midi. Quand je vois tout ce monde sur le parking de Leclerc, je me dis qu'à Ikea, ça va être la folie. Oh là 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 là. Bon, elle avait juste le carton format pour les petites, un peu dedans, je crois qu'il y a du papier de protection, mais bon, je vais essayer de m'en trouver un grand à la maison. Alors, bon, j'ai bien trouvé un grand carton quand même dans tout ce que je reçois. Elle m'a dit qu'elle m'avait mis. Ah oui, par contre, c'est bien. Elle a mis pas mal de protection, donc ça va le faire. Par contre, je suis en train de me dire que c'est juste inconscient d'aller Ikea aujourd'hui. En plus, c'est la fête des mères demain. Ça va être bondé. Oh, je déteste ça. Crise d'angoisse. Donc, comme je peux mettre que les petites, je les ai toutes mises. Il y a du jeu. Je me suis trouvé un autre carton. Vous savez, j'en reçois quand même pas mal. Ça va peut-être être beaucoup mieux. On en parle de la perfection de la chose. On dirait qu'il a été fait pour. Nickel. Et bah pour le reste, je vais me débrouiller. Hein. Mais c'est un petit bébé qui est là. Ça va? Comment tu vas ce matin, mon doudou chéri? Hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui passe devant chez toi sans te prévenir? Mais oui, ça va pas du tout. Mais oui. On a fait une petite halte hein, parce que on a faim, je connais pas du tout. Tu connais toi? Les enfants moins fort s'il vous plaît. Merci. Je bloque des toilettes parce qu'il n'y a pas trop de musique. Mais c'était très très bon. Et là on marche bien. On est arrivé chez Ikea. Tu notes? Si t'as quelque chose qui te plaît, ben après tu. Ah ouais? Je découvre hein, vraiment moi. Ça rend bien hein, leur mur. À part le regard, je trouve que ça fait très bizarre. Hyper cocooning, t'as envie de poser. Hein. Clairement. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Il est beau ce cadre. Hein. J'en ai déjà pas mal. Hein. C'est un atelier d'artistes, j'aime beaucoup, beaucoup. Ils ont vraiment fait un truc très réaliste. C'est chouette. La gagette avec les fleurs. Faut avouer que franchement chez Ikea c'est quand même très très joli. Ça donne des idées, même si t'achètes pas en fait, c'est ça. C'est que, tiens, rien que ça, bon, même si c'est pas l'association que je préfère, mais des cas, tu dis tiens, je vais faire ça. J'ai vu des petits trucs, mais Eric il va me détester parce qu'il y aura du montage. Tu dis t'es. Il y a ton pull. Quoi? Il y a ton pull. Quel pull? Et bah celui que tu portes. Qu'est-ce qu'il a montré? Et bah il est là. Mmh. Un appel entrant. Voilà, si les gens m'appellent aussi. Mais ce lit me donne vraiment envie de dormir. Je vais me faire jeter chez Ikea, je pense. Elle est belle, hein? Très, très beau. Ah oui, d'accord. Tu vois, les autres sont mis, ça n'a pas du tout le même effet. Hein. Ouais, non, moi, j'aime pas celui-là trop. Et l'autre, il est quand même très, très beau. Hein. Celui-là qui est beau. Ben ouais, carrément. Nickel. On a pour changer le meuble d'entrée. Ah bah ça coûte. Il est quelle heure? Il est pas mal celui-là.
mais il est noir, tu vois. Ouais. Je connais, quand je vois tout ça, je suis en dépression. Ça existe vraiment. Donc je foutrai le meuble qui est tout là-haut. Là, les quatre, là, les deux. Et qu'est-ce qu'on doit prendre au fait? Non, ah oui, c'est prendre, pour regarder. On doit vérifier les. D'accord, mais tu bailles, t'es déjà naze. On va faire comment? Oh la vache. Par contre, c'est étonnant, il n'y a personne. Vu, tu vois? Ouais, j'aime moins. Oui, mais c'est juste pour vous montrer. Ah, moi, je veux un goûter, ça c'est sûr. Alors, bonjour. Ça a l'air bon. J'ai pris le muffin et ça, je voulais un truc pas trop acide, mais je suis pas certaine du truc. C'est pomme, poire et gingembre. T'as pris quoi, toi, Marie-Jo? Un pain. Tu as montré ça. J'aime bien la cannelle, mais au moment de Noël, tu vois, dans le. Ah ouais. T'as déjà goûté ça? Non, mais j'aime la cannelle. Ah ouais. Bah, écoute, bon appétit et bonne cannelle. Hein. Je suis fatiguée, moi. J'ai une crise d'angoisse, j'ai envie de pleurer. On est tombé sur ce stand, on est toujours chez Ikea et on va se faire un petit sac pour la voiture. Bah moi je veux tout. Mais prends pour toi, ça ouais vas-y. Non ça j'aime pas. Mais prends pour toi. Il faut qu'il y ait pour tout le monde. Ça c'est pas mauvais je crois. Vas-y prends. Sirop de glucose. Tu veux du glucose, tu veux en bouffer. Alors j'ai piqué le potard et puis je m'amuse vers Vie ma vie de YouTube. Donc je dois vous présenter quoi? Le saumon fumé. Qui m'a l'air très très bon, il y a même du biologique. Je te cherche partout. Veuillez excuser au niveau du cadrage. Mais voyez, j'ai retrouvé encore du saumon. Donc elle verra tout à l'heure ce que j'ai pu faire pendant son absence. Ah ouais, moi je suis déjà écœurée là. Je vous ai pas montré. L'assortiment. Quoi? Eh ben ouais. Oh là là, on vient d'avoir un accrochage, un accident. Ça fait quoi? Ah non, elle s'en va. Hein. On a eu un accrochage. Non mais donc déjà t'as pas le droit d'être. Qui c'est qui a dit? C'est le gars qui a dit. Vous êtes oui, sur, ouais. Il faut vous serrer de l'autre côté. C'est cool. Ah c'est sympa. Ça doit être un petit concert et tout. Non, ça, là, y a pas de... non? Bah si, il y a des enceintes, il y a plein d'un. Tu crois? Ah, il peut y avoir. Je sais pas. En tout cas, c'est hyper sympa. On est rentré. Il y avait du monde sur la route. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Vous savez où je suis là? Dans ma courette. Je sais pas. Je crois que je vous l'ai jamais montré. Elle était tellement bazar, donc faut la laver. On va commencer à faire ça parce que comme il fait beau, pour pouvoir bien en profiter, sortir un peu les coussins, les trucs. C'est pas très grand, mais c'est quand même sympa. En plus, on a mis une guirlande. Le soir, ça fait une petite ambiance un peu guinguette. C'est top. Je vais vous montrer. J'ai pris ce tapis. Il était... bon, déjà, il me plaît. Hein. Vraiment, il est chouette. Le prix, 12,99€. J'ai pris cet ensemble hein, de faux cactus dans les pots blancs. Ça, c'est toujours très mignon. Il coûte 4,99€. J'ai trouvé ça. C'est un support. On met son portable. Voilà, comme ça. Et c'est hyper pratique. Donc, ça évite bien sûr de l'abîmer. Et je pense qu'en plus, si je le mets assez haut, je peux même faire des stories avec. 1,99€. J'ai pris du papier hein, qui est un petit peu rosé, beige. Du papier pour emballer notamment... toute la vaisselle qui est là-bas. Et ce plateau qui fait pas 60 cm de diamètre, qui en fait 50, mais ça va le faire. Et vous voyez, c'est un petit peu comme dans les restaurants chinois. Il est tournant. Eric était bof. Hein, quand je suis rentrée, il m'a dit, ouais, déjà, il fait pas 60. Et surtout, il pense qu'il va pas être stable. Bon, on verra. Mais ouais, non, je suis contente. Je vais installer ça. Je vais voir comment il rend. Est-ce que maman, elle t'a manqué? Un petit peu? Je vous reprends. Il est déjà 20h parce qu'en fait, j'ai voulu tout de suite... faire le montage, vu que demain, je vais aller chez ma maman pour le faire des mètres, donc je me suis dit, j'aurai jamais le temps. Et en faisant le montage, bon déjà, ma tête, j'ai eu une crise de fou rire à en pleurer. Ça fait une heure que je pleure de rire. C'est des scènes que je vais censurer parce que... Mais moi, j'en pouvais plus. Rien de grave, mais ça m'a fait ma fin de journée, en fait. Bref. Je me suis rendu compte que je vous ai même pas dit pour le petit accrochage. En fait, c'était un vélo qui passait... sur la droite, qui a accroché sa voiture et qui était en mode je m'excuse pas, je dis pas pardon et surtout je m'en vais, donc voilà. Mais rien de grave, il y avait rien. Mais sur le coup, ça fait tout drôle. Voilà. Et pour le tapis, j'ai pas eu le temps, je pense que je le ferai plutôt demain. Demain ou après-demain, tranquillou. J'ai presque terminé le montage, ça c'est cool. Je vais arrêter pour ce soir parce que là où je vous parle, il est 20h46.
Et vous avez vu? Donc elle a quasiment terminé de sécher. Je l'aime toujours autant. Rien que là, regardez. Hop. L'association avec le rose. Oh, ça va être canon. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, bonhomme? Tu as déjà eu à manger? Pendant que ça chauffe, je vais quand même aller essayer. Voir. J'ai décidé en fait de le mettre là. Dans ma chambre, dans la partie un petit peu, on va dire, sport. Et bah c'est plutôt cool hein, pour 12 euros. Ça fait le job, comme on dit. Ouais, j'aime bien. Parce que dans les autres pièces, ça n'allait pas. C'était trop foncé par rapport à l'esprit, enfin l'ambiance que je voulais donner. Mais là, franchement, c'est parfait. Hein. Si vous cherchez un petit tapis pas cher, foncez chez Ikea. Pour moi, ça va être pasta sur le petit plateau. Eric, ça va être le reste de pizza devant The Voice. Même si j'ai vraiment, mais vraiment pas aimé la semaine dernière. Hein. On va essayer quand même. Alors, on vient de manger avec le super plateau, bah, il est très très bien, hein. Tout en regardant The Voice et la pub, et bah, je vais clôturer maintenant ce petit vlog. Je vais vous faire un gros bisou et vous dire à demain ou après-demain. Salut.